Bienvenue dans cette vidéo spéciale sur la dernière journée de la phase de groupe de la Champions League. Okay. J'ai décidé de faire une vidéo sur cette dernière journée des groupes. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une journée particulière où il y a des pièges et où tu dois absolument jeter un œil sur le classement des groupes et sur l'enjeu qu'ont les équipes. Tu dois t'assurer que l'équipe sur laquelle tu mises ou tu paries a un enjeu et ne pas te faire piéger par des matchs où les deux équipes, ou soit une seule des deux équipes n'a plus rien à jouer, va venir avec l'équipe B, etc. Bref, c'est intéressant quand c'est la dernière journée, de la phase de groupe de jeter un œil sur le classement et j'ai décidé de faire ça avec toi aujourd'hui. Il y aura deux vidéos, j'ai pas envie de faire une vidéo de deux heures, donc dans la première partie, je vais m'intéresser aux quatre premiers groupes qui jouent le mardi et ensuite aux quatre groupes suivants qui jouent le mercredi. Okay. Alors avant d'essayer de te guider au mieux pour cette dernière journée de Champions League, du moins dernière journée des groupes, eh bien pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. Alors c'est parti. D'abord le groupe A, Man City, PSG, Leipzig, Club Brugge. Les qualifiés pour la Champions League sont connus, c'est Man City et PSG. Et ensuite ici, eh bien, on a Leipzig et Club Brugge, okay, qui ont eh bien, tous deux l'occasion de se qualifier pour l'Europa League. Alors, ils ne jouent pas l'un contre l'autre, okay, il faut faire attention. En fait, on a le Club de Brugge qui se déplace au PSG et on a le Leipzig qui reçoit Man City. Donc, dans ces deux matchs, eh bien, note bien que niveau PSG, il n'y a pas d'enjeu, niveau Man City, pas d'enjeu non plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre, c'est pas ça que je veux dire, mais ça veut dire que si jamais tu t'intéresses à ce match-là, moi, je n'irai pas du côté de Man City ni de PSG, parce que voilà, miser son argent sur des équipes qui manquent d'enjeu, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, alors même si par contre ici tu as le Club Brugge qui doit se qualifier, on sait bien que ça va être très très difficile au PSG. Leipzig reçoit Man City, et Man City je veux dire même sans jouer ça reste des machines. Donc c'est pour moi deux matchs compliqués à juger comme ça. Et forcément je te dirais, en tout cas moi ce que je ferais c'est que je ne toucherai certainement pas à ces deux matchs là en pré-match. Mais rien ne t'empêche de jeter un œil sur le live. Ok, en live. Et peut-être ici dans ce match Leipzig-Manchester City, voir si Leipzig eh bien, a la possession de balle, a les meilleures occasions pour essayer de se qualifier, que Man City est avec une équipe B et prend un peu le match à réserve. Ça, c'est seule l'observation en live, peut-être le dire. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas vraiment le groupe qui va m'intéresser. Tu verras plus tard quel groupe va m'intéresser vraiment, du moins dans ces quatre premiers groupes. Okay, donc, moi, ce groupe-là, je ne l'aime pas trop. Okay, au niveau des paris, seul le live pourrait peut-être t'aider, mais en pré-match, difficile à dire quelque chose. Au niveau du groupe B, Liverpool, 15 points qualifiés pour la Champions League. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, vu qu'on a trois équipes, Porto, Milan, Atlético Madrid, qui peuvent tous les trois se qualifier pour la C1, la Champions League. Donc là, enjeu de malade entre ces trois équipes. Alors, quels sont les matchs de ce dernier groupe? De cette dernière journée, pardon, pour ce groupe. On a AC Milan qui reçoit Liverpool. Et en gros, là, c'est Milan qui doit gagner, hein, si on regarde ici. Okay. Il faut que Milan gagne absolument pour avoir une chance de se qualifier pour la Champions League. Donc là, ça pourrait être très intéressant à regarder. Encore, hein, encore une fois, en live, hein, puisque en face, c'est Liverpool. Mais voilà, c'est quand même un déplacement pour Liverpool. Et Milan, même s'il n'a que 4 points, n'est pas si mauvais que ça. Okay, pas pour rien qu'ils sont quand même premier ou deuxième, je ne sais plus maintenant, en Serie A. Bref, quelque chose d'intéressant là à regarder en live. Au niveau de l'autre match, c'est Porto-Atlético, idem. Hein. Ça, c'est vraiment le match à suivre, Porto-Atlético, avec deux équipes qui devront, ben, en gros, gagner. Okay. Alors, je ne vois pas, surtout l'Atletico. L'Atletico, c'est simple. Si c'est match nul, l'Atletico, c'est sûr qu'en faisant match nul, ne participera pas à la Champions League. Donc, l'Atletico doit absolument gagner ce match
Porto pourrait se contenter d'un match nul, mais alors ça va dépendre du score de Milan. Donc c'est très risqué. Pour moi, ces deux équipes-là doivent gagner, voire en live sur les 15-20 premières minutes. Si c'est un match avec intensité, avec une forte probabilité d'avoir des buts, ça c'est l'observation qui peut, observation live qui pourra guider. En Champions League, moi, je privilégie bien plus le live que le pré-match. C'est d'ailleurs très très rare que je place un pari pré-match en Champions League. Et souvent, les cotes ne m'intéressent pas. Elles sont un peu plus pauvres, de moins bonne qualité que dans certains championnats. Et donc, c'est pour ça que moi, en pré-match, j'aborde pas trop la C1. Par contre, en live, là, il y a des choses qui pourraient être intéressantes dans cette dernière journée quand des équipes doivent survivre, se qualifier. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce groupe-là qui m'intéresse le plus parmi les quatre premiers groupes, j'insiste, hein, parmi les matchs du mardi. C'est ce groupe-là qui va m'intéresser le plus, hein, pour les matchs de Porto, Milan et l'Atlético Madrid. Donc à observer en live, 15 premières minutes, 20 premières minutes. Au niveau du groupe C, là c'est l'inverse, c'est le groupe à ne pas toucher parce que tout est dit. Okay, l'Ajax est qualifié pour la Champions League, le Sporting pour la Champions League et Dortmund pour l'Europa League. Okay, il n'y a que 3 points de différence entre Dortmund et Sporting, mais je ne connais plus les résultats, les confrontations directes entre ces deux équipes, mais Flashcore indique bien ici, c'est ça qui est pratique, Flashcore indique bien que Dortmund est qualifié pour l'Europa League. Okay, et le Sporting pour la C1, la Champions League. Voilà, tout est dit, donc là c'est vraiment le groupe, c'est bon, on ne touche pas. Ah, jamais touché un match où il n'y a plus d'enjeu, ça s'appelle un match amical. Au niveau du groupe D, on a le Real qualifié pour la Champions League, on a l'Inter qualifié pour la Champions League, on a Tiraspol qualifié pour l'Europa League et le Shakhtar qualifié pour rien du tout. Donc le groupe D, on ne touche pas non plus. Donc tu vois ici pour les 4 premiers groupes A, B, C et D, que je te présente dans cette vidéo, bien, tu peux déjà éliminer tout ce qui concerne le groupe C, tout ce qui concerne le groupe D. Surtout ne sois pas tenté par le fait que c'est populaire. Oui, par le fait que la C1 est populaire, que des matchs vont passer à la télé et tout ça, s'il n'y a pas d'enjeu. Moi, en tout cas, je te dis ce que moi je fais. Sans enjeu, je ne touche pas aux matchs amicaux. Alors, le groupe A, je suis mitigé. Okay. C'est vraiment le groupe B pour moi qui est le plus intéressant en termes de paris ou de trading live. Et en tout cas, moi je suivrai AC Milan, Liverpool et Porto, Atlético Madrid et voir s'il y a des opportunités en live pour ce match. Okay, pour ces deux matchs, pardon. Donc voilà, là je t'ai présenté les 4 premiers groupes dans la partie 1 de cette vidéo. Je ne veux pas te faire une vidéo trop longue pour que tu t'endormes, mais lundi prochain, je ferai le groupe E, F, G et H. Hein, parce que eh bien, lundi prochain, ce sera juste avant cette fameuse dernière journée, les deux fameuses dernières journées du mardi et du mercredi. Donc, tu auras bien tes deux vidéos avant d'aborder la C1. J'aimerais bien qu'en commentaire, tu me dises comment toi, tu vas aborder ces matchs de Champions League, hein, cette fameuse dernière journée. Toujours particulier de Champions League, dernière journée des groupes. Dis-moi en commentaire, peut-être que tu as peur de partager tes paris, mais donne-moi ta vision, ton opinion, voir si tu es d'accord ou pas avec moi, quel match tu vas toucher, quel match tu vas éviter. Bref, donne-moi tout ça en commentaire et je serai ravi d'avoir ton avis et de répondre à tes questions si tu en as. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et pour te remercier, okay, pour te remercier de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Eh bien, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement mon nouvel e-book où je t'explique précisément de manière concrète en 9 étapes un plan d'exécution clair et précis, comment stopper tes pertes. Si tu débutes maintenant ou si tu es un parieur perdant, c'est super intéressant. Je vais t'expliquer comment tu vas stopper tes pertes rapidement et générer ton premier revenu entre 1000 et 5000 euros par an dès la première année. Okay? Pas de blabla, tu sais bien que c'est pas mon truc. Moi, ce sera des trucs concrets, c'est concret. Tu suis ces étapes et tu verras, tu vas gérer tes paris comme un pro, comme un business et arrêter de parier comme un amateur ou juste pour le fun. Bref, essayer d'avoir ton premier revenu. Suis ce plan en 9 étapes et eh bien, tu parviendras à atteindre ton premier revenu de la première année de manière assez rapide. Pour ça, tu mets ton prénom, ton adresse email, c'est entièrement gratuit et tu l'obtiendras par email sous forme de fichier PDF. Alors, le lien est ici, mais je te le remettrai dans la description de cette vidéo. Il te suffira de cliquer dessus.
Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo.